Et hop là. Le crocodile, la girafe, le panier, oh, les hippopotames. Hello Athéna, coucou Calice, coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Bon alors aujourd'hui, youpi, on va s'amuser à attraper des souris. Yeah. Grâce à cette boîte, ce jeu de société Mousetrap. Moi j'ai la violette rose. Oui, il y a plein de souris, regardez, une souris violette, orange, bleu, et il y a un hippopotame orange, je sais pas quoi il sert lui, ou alors il se déguise en souris, je ne sais pas. Et en fait, alors déjà c'est Elephant and Friends. T'avais eu un éléphant à Noël, tu te souviens? C'était pour chasser les papillons. Et a priori, c'est un parcours de jeu avec un piège pour attraper des souris. Donc voilà, regardez comment ça se passe derrière. Ça a l'air très très sympa. Et comme par hasard, c'est encore Hasbro Gaming qui fait ça. Franchement, ils sont plutôt bons pour faire des jeux très cool. Peut-être que c'est l'hippopotame qui déclenche le piège. T'as raison. En tout cas, j'ai l'impression. Il est juste à côté de ça, peut-être bien qu'il y a un bouton. Peut-être. Écoute, le plus simple, c'est d'ouvrir et puis de s'amuser ensemble cette boîte, mais ça a l'air compliqué à monter. Ouais, j'aimerais faire un tour de magie. Bah oui, comme d'habitude, on va faire ça, comme ça on n'a pas besoin d'ouvrir, on n'a pas besoin de le monter. En une seconde, ça va être fait. Ah bah attendez, tiens, on va le faire avec un coussin YouTube pour une fois. Voilà. Ah, j'ai une volontaire. Tu veux faire le tour de magie, Athéna? Alors tiens, tu prends le coussin et puis tu me le jettes à 3. 1. Ah bah attends, j'ai pas dit 1, 2, 3. Et en plus, ça me le jette sur le micro. Ouais. Allez, bip bip, tour de magie au coussin. 1, 2, 3. Et hop là. Oh, ça a bien marché. Alors là, c'est très surprenant. Waouh, c'est énorme. C'est attends, gigantesque. Est-ce que vous voulez que je vous montre le piège, les petits copains? Alors, ah bah attends, ah oui, attends. Ah oui, attends, effectivement, donc il y a des billes, il y a tout un parcours. Il y a deux, ça fait la main, pas maintenant. On peut effectivement essayer de montrer comment marche le piège. Attends, il est là l'hippopotame, regardez. Ah ouais. Il est là le gros hippopotame, okay. Pantapouf. Et là, il y a un petit. C'est parti. Oh, ok, d'accord, alors regardons. Ah normalement, ça descend. Ok. Il a banane dans les yeux. Bon, alors, c'est pas grave, on va voir si ça marche bien au deuxième essai. Alors les filles, un nouvel essai. Il y a une petite souris là qui est en dessous du piège. Alors, vas-y, Calice, vas-y, Athéna, comme tu veux. C'est parti, un petit coup de pied dans le seau. Et hop là. Le crocodile, la girafe, le panier, l'hippopotame. Vous avez pris les trois en même temps. Bravo. Bon, voilà, en gros, c'est ça qu'on doit faire, mais bien sûr en jouant, c'est-à-dire en lançant une petite roue. Qui est attends, j'essaie avec des souris. Alors les filles, on se met en place, on va jouer tous ensemble, parce qu'on peut jouer entre deux et trois joueurs. Donc on va jouer à trois. Choisissez la souris. Donc je vais dire que la bleue c'est pour Calice. Non, la violette. Non, la violette c'est pour Athéna, parce qu'elle adore le violet. Et moi je vais prendre l'orange. Non. Ah, tu veux l'orange, Calice? Oui. Ok, si tu veux. Toi qui adore le bleu d'habitude. Donc moi je vais prendre le bleu. Attends, Athéna. Avant... Ah, tu perds la bille. Je perds la boule, tu veux dire. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti, mais le plus jeune commence. Une case violette. Donc, en fait, là, tu avances sur la case violette. Ah non, là. Voilà. T'avances de bravo. T'as en fait, fait un vous connaissez 3. Par cœur ce jeu, c'est dingue. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on fait le tour jusqu'à ce qu'une souris soit prise au bleu. Piège. Bleu. Voilà, donc là, c'est à moi. Je vais faire tourner là-haut. Tiens, d'ailleurs, le truc, il est en forme de fromage. Alors, orange, voilà, voilà, tac. Donc, on part du départ qui est ici. Et je vais sur la prochaine case qui est orange, c'est-à-dire ici. Ah, donc, comme tu veux. Regarde, c'est drôle. Mais c'est drôle parce que l'orange, il est sur la case orange, le violet est sur la case violette, et le bleu, il serait sur la case bleue. Et c'est parti pour le deuxième tour. Et violet pour Athéna. Ici. Oh, bah, attention, Athéna. Attention. Oh, t'as déclenché le piège. Oh, Athéna, fais attention. Je vais le faire. Par contre, on peut déclencher le piège dès qu'une souris tombe sur le pied, sur le coup de pied ici, et il y a trois coups de pied sur le plateau. Alors, maintenant, c'est à qui de jouer? Et bleu. Ah, là, c'est le coup de pied, mais on ne peut déclencher le piège que si
il y a quelqu'un en plus, une souris donc, qui est là sur la zone du je piège. Peux faire. S'il n'y a personne ici, non. On ne déclenche pas le piège. Non, et c'est à moi. C'est à papa. Et c'est le bleu aussi. Mais il n'y a personne. D'ailleurs, il n'y a toujours personne, malheureusement. On va dire que c'est bon comme ça, ok? Athéna. Bleu. Tu avances d'une case. Tu vas bientôt être sur la zone du piège. Non. Violet. Violet. À moi. Bleu. Bleu. Avec Athéna. Waouh, 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 ça avance vite. On va tout être là. Alors là, tu vas forcément tomber sur une couleur violette, mais tu es sur la zone du piège. Et là, par exemple, là, si Calice, là, Athéna. Si Calice fait orange, on déclenche le piège. Bleu. Bleu. Ah, tu viens à côté de moi. À moi, si je fais orange. Orange, tu déclenches le piège. Oui, oui. Donc c'est moi qui donne le coup de pied. Alors attends. Oh piège, oh piège, oh piège, oh c'est bon. Piège, et oh piège. C'est parti. Oh non, je ne l'ai pas eu, elle était vraiment à la limite de la zone. Parce que c'est voulu, hein, c'est fait exprès. Si on est un petit peu à l'extérieur de la zone, eh bien, la souris peut s'en échapper et tu as réussi. Bravo. Donc, tu gardes ta souris et le jeu continue. Parce que le jeu s'arrête dès qu'une souris est attrapée. Oh, oh, moi je suis un gros hippopotame. Oui, j'ai plein de restaurants en France qui s'appellent l'hippopotame. Alors, violet. Non, t'en as pas maintenant. Relance le dé, relance la roue. Alors, Athéna, violet. Violet. T'as eu de la chance. Oh, tu sors de la zone du piège, c'est pas normal, Athalys. Orange. Orange. Oh, dommage. Dommage. À moi. Bleu. Bleu. Oh, je suis en plein sur la zone du piège, mais personne pour m'embêter. Ah si, si tu fais encore violet, Athéna, tu me captures et vous avez gagné. Là, c'est carrément le père contre les filles, là. Attention. Vas-y, le challenge, Athéna. Père contre fille. Si tu fais violet, vous avez gagné. Ouf! Merci d'être là. Non, là. Donc tu fais bleu clair. Ah oui, tu peux encore faire violet après. Mais moi, je vais bouger, moi. Attention. Et violet pour Calice. On va être là. Et... Bonjour, copain. Oh, oui oh, oh non, je suis encore dans la zone du piège. Non, non, non. Violet, t'es là. Si, vous deux faites violet. Oui. Non. Non, c'est pas possible. Tu vas? Attends, attends. Oh non! Oh non! Oh, il marche pas! Youpi! Ah non, c'est pas juste! Ah, je suis pris ou pas? Ouais, ça m'assure, je suis pris. Mais toi, t'es. Moi? À toi, t'es prise aussi, en fait. Hein. Bah, je pense que tu vois, t'es quand même plus qu'enfermée à l'intérieur, donc je pense que là, c'est Athéna toute seule qui a gagné. Ouais! Bravo, Athéna! On recommence? Allez, on remet tout en place, on fait une petite copie. Et c'est parti pour une deuxième partie. J'ai changé un petit peu l'angle du plateau, comme ça vous verrez un petit peu différemment sur cette partie. Alors c'est parti. Alors Athéna, vas-y, allez. Bleu. Et c'est un coup de pied, mais comme il n'y a personne sous le piège, on ne déclenche pas le piège. Elle va là ? Ah oui, t'étais un peu loin. Attention, attention, Athéna. Alors, ensuite, Calice. Bleu. Donc, toutes les deux sur le bleu. Attention ! À moi, le violet. Wow, attends. Je vais loin, moi. Ensuite, t'as de là. Bleu. Orange. Et ceci n'est pas un placement produit pour orange, hein, attention. Sinon, on va faire, regardez, soche. Voilà, je suis passé, c'est soche. Et je vais aller ici, chez orange, maintenant. Voilà, parce que soche, c'est bien, mais orange, c'est mieux. Mais non, c'est bien. Ouais, ça, c'est le solide, Athéna. Ah, pardon, excuse-moi. Un violet. Violet! Oui, violet! Tu vas pouvoir déclencher le piège? J'y vais, je rentre, tout est bon. Ouais, c'est bon! Personne n'est dans le piège, de toute façon. Attention! Oh! Oh! J'ai aussi me sauvé! Est-ce que ça compte là? Non. Et un pied délivre l'autre? Non, non! Allez, on va dire que ça compte pas, allez, tu t'en sors. Ok, on continue, on met tout en place. C'était bien. Et Calice! Oh là 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 là. Je crois que c'est cuit-cuit. Athéna, j'ai peur pour tes oreilles de Mickey. Non. Allez, c'est parti. Petit coup de pied. C'est parti. Boum. Tac. B.
bim. Et un, là, 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 là. Oh oui, j'ai gagné. Non, c'est pas possible. Oh, on a été capturés tous les deux, Athéna. Ouais. Ouais, bah, c'est pas grave, on va s'amuser tous les deux, nous, même si on a été pris au piège. T'as perdu, papa. Nous, on a gagné. Bravo, les filles. Et aussi, j'ai perdu. En tout cas, moi, j'ai perdu tout le temps. Ça, c'est clair. Bon, bah, bravo. Ouais. C'est qui a gagné juste avant? Toute seule avant? Oui. D'accord. Et là, c'est Calice toute seule. Et moi, j'ai perdu tout seul. Donc, ouais, bravo en tout cas. J'espère que ça vous a plu, ce petit jeu de société. C'est plutôt très rigolo. On s'amuse comme des petits fous. J'aime bien ce système de... Attends. De, voilà, de, d'action, moi, je pourrais jouer des heures et des heures. Même si on ne joue pas avec le dé. Mais jouer. J'adorerais déclencher le piège toutes les heures. J'aimerais tellement déclencher le piège tout le temps. Je m'en fous. Moi, je ne joue pas, voilà. Je joue. Mais c'est ça qui est drôle. Effectivement, c'est le piège. Sinon, ce serait pas drôle du tout. Voilà, bon, un petit pouce bleu, partagez, commentez, abonnez-vous, activez le piège. Non, activez la cloche, pardon. Ok, on va dire que toi, t'étais dans le piège. N'est-ce pas, Athéna? Gros bisous, Athéna. Bisous, Calice. On va dire que toi, t'étais dans le piège. Et à demain, bien sûr. Vive nos rêves. Wouh. À demain, ciao, ciao. Pop, 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 pop. Et pour Calice, et pour Athéna, un gros chocolat. C'est bon, le chocolat. Tu t'es mouillé. Ça te fait rire? Ouais. Na 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 na. Oh, du fromage. Elles sont. Mais non! Oh, j'ai été pris en piège! Non, mais moi je. Oh, mais c'est pas grave, je continue de manger mon fromage.